Une chef, une brigade et des plats en préparation pour le service du midi. Pourtant, l'entremets n'est pas un restaurant comme les autres. Ici, ce sont des personnes en parcours d'insertion qui cuisinent. Il y en a un où tu vas mettre le jus et l'autre où tu vas mettre le thon. D'accord. Voilà. Tu me gardes les boîtes pour la traçabilité, s'il te plaît. Le menu est conçu chaque jour par Gaël qui supervise les préparations. Mais contrairement à un restaurant traditionnel, elle ne passe quasiment pas de commandes. Tout est fourni par la banque alimentaire. Il faut alors faire preuve de créativité. Des fois, le matin, on va recevoir des fruits et légumes qui sont vraiment abîmés. Donc, on va les faire. On va changer les menus qui étaient prévus et on va les préparer à la place. Le restaurant solidaire a reçu un approvisionnement de salicornes, aussi appelé cornichons de mer. Alors, au menu, ce sera thon à la tomate, salicorne et riz préparé par Adeline, en contrat d'insertion professionnelle avec l'association Le Relais. Comme elle, 6 personnes travaillent au restaurant. La plupart ont très peu de connaissances sur la cuisine parce que ça ne fait pas partie des prérequis. Je crois que personne ici est issu de la restauration. Du coup, ça donne quoi au quotidien ? De l'apprentissage. On a l'impression d'être avec des apprentis tout le temps. Un apprentissage qui porte ses fruits. Lydie, qui s'occupe du service, a rapidement rebondi sur une formation d'ambulancière. Le restaurant lui a permis de développer des compétences professionnelles, mais aussi son savoir-être. Je suis quelqu'un d'assez timide, donc je suis quelqu'un de réservé dans le sens où je ne connaissais pas la collectivité, je ne connaissais pas le sens de travailler en groupe. Et c'est ce qui m'a fait découvrir et ce qui m'a lâché un petit peu dans plein de choses, d'être un peu plus souriante. Oh, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Parmi les clients, beaucoup d'habitués. Selon les revenus de chacun, le prix varie entre 1,50€ et 12€. Depuis l'ouverture il y a un an, 600 bénéficiaires ont pu profiter d'une sortie au restaurant à un tarif adapté.